Bonjour, je suis Michel Ménard, président du département. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce qui va changer en Loire-Atlantique en 2022. Mon projet se résume en trois mots: solidarité, écologie, citoyenneté. Eh bien, par exemple, en 2022, on va construire des kilomètres de voies cyclables. On équipe tous les collèges de distributeurs de protection périodique gratuite. Et on va mettre en place un revenu jeune. Le revenu jeune sera expérimenté dès cette année. 1000 jeunes en difficulté vont être accompagnés pour les aider à bâtir leur autonomie. Face aux défis climatiques, il faut agir vite en incitant par exemple à la pratique du vélo. Pour cela, en 2022, on va construire 80 km de voies cyclables. L'objectif, c'est de relier toutes les communes de Loire-Atlantique d'ici 2028. Enfin, tous les collèges du département viennent d'être équipés de distributeurs de protection périodique gratuite, une action simple qui facilite la vie de beaucoup de collégiennes. Ce ne sont que quelques exemples. Le projet de mandat s'étale sur 6 ans et il contient 101 actions. Et d'ailleurs, ce projet va faire l'objet d'un débat et d'un vote avec les élus départementaux lundi prochain. Ah ben, venez, je peux vous montrer. Là, c'est l'auditorium où se réunissent les conseillers départementaux. Voilà, je suis à la place du président dans l'auditorium. Alors rendez-vous lundi prochain à 9h30 sur le site internet pour suivre en direct les débats de la session que j'aurai l'honneur de présider. À lundi!